C'est pas très l'esprit Saint-Valentin, je tiens à dire, hein, les messages de la personne en question. Il a posté des messages à partir d'aujourd'hui, il a posté 7 messages. Premier message en caps lock en retard. Bon, déjà casse-couille. Ensuite, il répond à quelqu'un d'Arout Soundstorm, je suppose qu'il demande quelle était la musique. Très drôle. Ensuite, il dit il a un palmier sur la tête, t'as pris un coup de vieux, les cheveux par pitié, c'est à cette personne que je répondais. Un palmier qui pousse sur ta tête, il sort quand le prochain What the Cut? Alors là, au bout d'un moment, je suis en mode bro, tu collectionnes les médailles! T'as 7 messages, les 7 messages, y'en a pas un qui pue pas la merde! Au bout d'un moment, fais un effort! Affiché dès le premier soir en live en même temps. Eh, hey, tu postes publiquement sur un chat public, faut t'attendre à te faire afficher au bout d'un moment. T'es pas dans les DM de je ne sais qui, hein. Attention, hein. Il a 13 ans, c'est pas... Les gens de 13 ans ne savent pas ce qu'est What the Cut. C'est ça qui est triste, c'est que c'est probablement quelqu'un qui est dans la vingtaine. Et du coup, c'est terrible d'être une personne comme ça dans la vingtaine. Voire dans la trentaine, même. Quand le dernier What the Cut est sorti, les gens de 13 ans avaient 6 ans. Alors évidemment, je pense qu'il y en a quelques-uns qui connaissent, hein, mais c'est plus en mode ils regardent du rétro YouTube comme il y a des gens qui font du rétro gaming, tu vois.